Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve donc dans ce nouvel épisode de Sherlock Holmes, j'espère que vous allez bien. Bravo, Bobby. Parier un penny sur Adam. Bobby, j'ai parié 5. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'on doit aller. À la taverne du dragon vert. Parier un penny sur Adam. Bobby. Encore faut-il la trouver, elle est là. Green Dragon, dragon vert, c'est ici. Allons-y. Allons à la taverne du dragon vert. Et essayons d'obtenir des réponses. Restons calmes et concentrés pour écouter les conversations. Ok. Il n'y a personne à écouter ici. Dégage. Ok. Il n'y a personne à écouter ici. J'ai trop perdu ici. Foutu poker. Bon, rien d'intéressant pour lui. Ah si, il y a une table de jeu illégale. Bon, j'ai pas ma soeur avec eux. Pas flagrant du tout. Je n'entends rien. Je fais pas flag du tout, tu sais, je m'assois un peu partout, je m'habille contre tout. Personne ne se pose des questions, bah ça va. Lancer un peu plus sur moi, sur la tentative de mon assassinat. Intéressant, ils ont une sorte de passe. D'accord, donc ça je peux le voler, ce passe, très certainement. Eux je sais qu'ils l'ont le passe. Non, si eux ils l'ont le passe. Ça c'est sûr. C'est pas grave, on va écouter ce que eux ils racontent. Peut-être qu'ils nous disent qu'on va obtenir un pass. Peut-être. Le gars au bec de lièvre, il avait la fourche, il a filé à l'étage. D'accord. Ah, est-ce qu'il va y avoir moyen de voler son passe? Ah, j'ai changé de siège. Un homme avec un bec de lièvre, c'est peut-être mon assaillant. Il faut que je monte à l'étage. Allez hop, changeons une nouvelle fois de chaise. En toute discrétion, bien sûr. Hey, qu'est-ce que tu cherches? Pars-toi. Ok. On va écouter ce qu'eux ils racontent. Bonne bière. Forte. Peut-être devrais-je goûter. À l'étage, mais je peux pas y monter tant que j'ai pas de passe en fait. Eh hey, le papa, si tu vas comme ça. Tu sais, sale chien de Scotland Yard. Une pinte? Une pinte? Ouais. Dégage. Je peux pas m'asseoir avec eux. Y'a rien de suspect nulle part. Oubliez que je bois. Tu sais, sale chien de Scotland Yard. Ah, y'a forcément un moyen de monter.
forcément. Je peux pas m'installer avec lui. Si là il y avait un point, non? Non, je peux pas m'installer avec lui du tout. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà, tout simplement. Avec un petit peu de jugeote. Nous y sommes parvenus. Serre-moi un double. Sors fumer une cigarette. Ah, c'est bien. Et là, faut que je le castagne, c'est ça? Il a un pass. Je pourrais le voler pour entrer. Il a un pass. Je pourrais lui voler pour entrer. En toute discrétion, bien sûr. Ah merde, c'est lui qui a le pass, non? Merde, c'est lequel des deux que je dois voler? Messieurs. Ah là, voilà. Oula, oula, oula. T'as fait pas repérer, Sherlock. Il fallait juste le temps que je comprenne comment ça marche, maintenant c'est bon. Triangle, croix, carré. Le passe. Voilà. Nickel. Un travail impeccable. Sans souci, mon pote. Allez hop, allons-y, les amis. Hop, hop, polo. On peut y aller. Ah, bah si je peux y aller, c'est parfait. Montons. Le patron est là? Ouais, non, il est parti boire. Notre homme. Il faut que je trouve un moyen de le suivre. D'accord, donc déjà, on va étudier tout ça. On va remettre les indices, parce qu'apparemment, on a des trucs à déduire. Bon, taverne, y'a rien avec ça. Y'a rien avec ça. Y'a rien avec ça. Voilà. Alors. Orson est un bon acteur. Les journalistes n'ont pas remarqué qu'il n'était pas le véritable Sherlock Holmes. Orson est obsédé par l'idée d'être Sherlock Holmes. Il s'efforce de s'habiller et de se comporter comme lui. On va faire ça. Après, je sais pas vraiment. Je ne sais pas réellement, mais... Bon, faut que je trouve un moyen de le suivre, donc. La salle de jeu, c'est par là. Ok. Bon, donc j'ai pas le droit de le suivre.
mais j'ai le droit d'aller à la salle de jeu. Ok, mais par là, il n'y a absolument pas de salle de jeu. En tout cas, ça ne ressemble pas à une salle de jeu. Vous m'excuserez. Plutôt ça, la salle de jeu. Voilà, ici, j'ai le droit de me rendre. La chance est de mon côté. À savoir ce que j'ai le droit de faire à présent ici. Ah, c'est mon jour de chance. Je ne peux pas jouer avec eux. Je ne peux pas jouer avec eux. D'accord, mais je peux tracer par la porte là-bas apparemment. Bonjour. Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est privé. Soit tu joues, soit tu dégages. Relance ta chérie. Ah. Mais quel nul. Je vais gagner. On va regarder par la fenêtre alors. Il faut que je passe de l'autre côté. De là, je pourrais peut-être atteindre la zone gardée. Il faut que je crée une diversion pour que le garde s'éloigne de la porte. Faire diversion pour sortir. D'accord, d'accord. Faire diversion pour sortir. Donc on va jouer avec lui. Je relance d'un shilling. Un chapeau dont on prend... Un chapeau dont on prend grand soin, certes. Mon ami, t'as rien d'autre sur toi s'il a la théma. Les couteaux sont autorisés ici. Ah. C'est mon jour de chance. Les couteaux sont autorisés. Donc on doit les foutre la merde ici, je pense. Il se sert d'un miroir pour voir les cartes pendant la donne. Il se sert de cartes supplémentaires pour tricher. Ah, c'est du joli. Ce bouton fait clairement partie d'un mécanisme. C'est un appareil rétractable qui distribue des cartes supplémentaires. Ah, le bravo. Le cordon passe d'une manche à l'autre. Si le cordon est coupé, les cartes cachées sauteront. Et le tricheur sera démasqué. C'est ce que je dois faire comme diversion. Ah, c'est ensuite, mon jour je de peux chance. Sortir. Chance hey, d'accord. Réfléchis plus vite. Si le cordon est coupé, les cartes cachées sauteront. Et le tricheur sera démasqué. Quel nul. Tapis, je sens l'argent d'ici. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je relance d'un shilling. Alors, allez, un, oui. Je coupe la cordelette. Je vais gagner. En deux, la bagarre commence. La chance est de mon côté. Ah, c'est faux. Tapis. C'est faux, c'est faux. Je dois prendre le couteau. La chance allez, débutant. Réfléchis plus vite. Non, c'est faux. Je dois détourner l'attention. Prendre le couteau. Tapis. Couper la cordelette. La bagarre va commencer. Le garde se déplace. Et je me casse. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai privé. Soit tu joues, soit tu dégages. Ah merde, c'est faux. La chance est de mon côté. Mais non, où j'ai raté un épisode. Tapis. On va revoir tout ça. Ah, c'est mon jour de chance. La chance allez, du débutant. Réfléchis. Je détourne attention. La chance est de mon côté. Je prends le couteau. Mais quel nul. Je coupe la cordelette. La bagarre commence. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Et le garde se déplace. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je fasse L2. Voilà. Voilà, c'est ça, non? Eh oui, c'est ça. L'homme le moins flaque du monde, quoi. C'est pas flaque du tout, c'est. Il faut que j'essaie de faire le tour du bâtiment. You take that.
train de se battre. You bad boy. Moi pas, c'est ça l'essentiel. Voilà, voilà. Donc voilà, je suis là. Hop, 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 hop. Oh là, il y a de la houle. Souké, Moussaillon, Souké. Ce sont sûrement les fenêtres des pièces gardées. D'accord, là il y a une solution. Voilà. Je pense que la solution c'est ça, je pense. Voilà pour moi. Ça doit être pas mal. Allez, raté. Hop là! Ah, on se balance, allez, allez, on perd pas le rythme. Devant, derrière. Devant, derrière. Devant, et on saute. Ok, 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 ma gueule. On est parti! On est parti, les amis. Nous voilà à l'intérieur. Il y avait encore quelqu'un ici récemment. Il y a un compartiment secret. Une brillante invention pour cacher le matériel de jeu en cas de descente de police. Salut le marteau, voilà le compta d'octobre. Ok. Ok. Le marteau. Jack Cole. Je me souviens de lui, le raid d'il y a 3 ans. Une clé. Cette clé est particulière. Ouais, on ferait bien de la garder. Bon, déjà, commençons par réunir les indices. Hein. Alors, propriétaire de la taverne, bombe artisanale, taverne, visite. Voilà. Alors, l'homme au bec de lièvre est venu retrouver Jack Cole à la taverne le soir suivant la tentative de meurtre sur Holmes. Voilà, voilà. Ensuite, indice. Bombe artisanale. Non. Taverne. Visite. Non. Bon, pour l'instant, j'ai plus rien. D'accord. Bon. L'homme de la salle de jeu utilisait le même appareil pour tricher aux cartes. Que des as, je suppose.
marche. Ah. Une fissure? Il y a peut-être quelque chose derrière l'armoire. Voilà la clé, à quoi elle sert, voilà, voilà. On va descendre, on va descendre. Ah, j'arrive trop tard, il n'y a plus personne. Ça n'empêche pas d'enquêter. Il est évident que tous ces objets ont été volés par la bande de Kirko. D'accord, donc ils volent encore des objets. C'est la mallette de l'homme au bec de lièvre. Ces objets ont été volés, sans aucun doute. Ok. Ok. Des documents, des photos même. Notre homme, avec sa famille sans doute. Après avoir emménagé dans notre nouvelle maison. D'accord. Ça va peut-être nous donner des informations sur son adresse. L'homme a mis ses biens en gage. Il doit avoir besoin d'argent. Butler, prêteur sur Gatineau, semble vivre près de cette boutique. Voilà, on va rendre une petite visite au prêteur sur gage. Jetons un œil. Oh mais non, qu'est-ce qu'il y a à foutre là, lui. Qui est con, je te jure, qui est con. Quel connard, ce Olson. Bah, j'arriverai jamais à temps. Je devrais aider vous. Ah, je sais bien que... Je devrais aider Wilde avant qu'il ne se fasse tuer. Je devrais aider... Je suis coincé. Holmes, sale chien, tu vas crever. Un bon choix, tiens. J'ai fait un bon choix. Holmes, sale chien, tu vas crever. Allez, on essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Faire tomber. Hop là. Allez, on remballe. Allez hop, ça dégage. Ah, mauvais choix. Mauvais choix, mauvais choix. Holmes, bon. Sale chien. On était tu pas trop. On était pas trop mal parti, on était pas trop mal parti. Alors on est reparti pour un tour. Allez hop. Alors le tabouret, on le fait tomber. Lui. On lui claque la bouteille. Voilà. Hop. On prend le chapeau. Hop. On pousse de côté. Hop. On lui jette le chapeau. Eh ben, on a eu le choix notre cul, hein. Bon, et ben c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et allez à plus. Ciao tout le monde.